pendant où il a joué en deuxième période. Sur le Krug, à nouveau bloqué devant le filet par Beaulieu. Et Desharnais remet derrière à Pacioretty. Pacioretty s'amène rapidement, réussit à contourner Troutman. Troutman, cependant, va le rejoindre derrière la ligne des buts. Et il y aura une bagarre entre Beaulieu et Fraser. Nathan Beaulieu a jeté les gants une fois dans la Ligue américaine avec les Bulldogs cette saison. Bon, c'est lui qui a eu le dessus sur Matt Fraser avec cette dernière droite. Bon. Écoutez, ça s'est développé derrière le jeu. Tu avais vu la séquence, Marc? Oui, bien, il y a eu une confrontation devant le filet. Oh, et Matt Fraser n'est pas bien, Pierre. Les jambes très molles. Il va regagner le vestiaire immédiatement. D'après moi, Nathan Beaulieu l'a sonné avec cette dernière droite. Ça a débuté devant Carey Price, Pierre, tu as raison, derrière le jeu. Ça fait mention du tir bloqué par Beaulieu. Vous avez vu le coup de bâton de Fraser initialement. Et par la suite, les deux ne se sont pas lâchés. L'invitation s'est faite à la ligne bleue des Bruins en entrée de territoire. Beaulieu a bien fait. Il a attendu de voir si Pacioretty allait décocher un tir avant de jeter les gants. Ça lui a fait mal. Ouais. Bon, enfin. Ouais, ben, il a frappé solidement sur le casque de Matt Fraser, mais